Il me critique, l'autre. C'est quoi, ça lobby, ouais. Ne sous-estime pas la puissance du colis alcoolique. Du colis alcoolique. Ouais. Parce qu'un colis, ça bouge au moins. Oui. C'est pas comme le zoo. Oui. C'est pas comme le colis. Oui. En vrai, ça. Oui. Non. Oui. Je prendrai la grosse pitonne. Je prendrai pas assez de. Ta gueule. Non. Donc nous avons l'étoile, la lune, l'étoile. Le soleil et. T'as inversé le tour. Ta gueule. Non. Et on y va à Manu. Ta. Ta ta ta. Rocky. Déjà que les persos dans le 1, le 2, le 3. Voilà. Et le couille. Ils étaient trop cons pour frapper à Manu. Imagine, t'es en mode. Tu t'es point. Le mec, il fait toi Manu contre le serpent. Contre le tyran. Le tyran, casse-toi dans le cœur. Tu vois ce qu'on va lui faire avec tes. Avec tes. Contre le hunter. Le hunter, il faut un coup de tête, tu vois. Le chien. Le chien, en quoi ça peut le faire? Le zombie. Ah merde, ma main. Contre Steve. Mange-toi. Bon. Le soleil sera la lune du vent de l'étoile. C'est ça l'énigme. Y a pas d'énigme. Si, y a quelque chose qui est marqué dessus. Je sais, on voit rien qui est marqué dessus, mais pourtant, si t'appuies dessus, elle dit qu'il y a un truc. C'est peut-être le truc écrit en hiéroglyphe un peu en bas, mais. Là, 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 là. Moi aussi, je suis. Bah, en fait, ah oui, tu vas bientôt croiser tes amoureux. Oui, Gilbert et Marnie. Ils vont être tous dans tout le manoir. Tu racontes que des conneries. Oui. Oh, merci. J'allais dire, c'est quoi que tu vas passer là? Il y a un truc KO là, je crois que c'est une clé ou un truc comme ça, ou des buissons, je sais plus ce que c'est. Comment elle fait pour pousser là? Justement, ouais. Alors, en fait, on va dire que c'est un gros bloc. De un carré. Voilà, comme Jim la, la manivelle, voilà. Comme Jim. Ouais. Carré. Là, c'est bien. Si tu me dis que tu connais pas Jim Carré. Non, je connais Jim Cercle. Je connais Jim Triangle. Par contre là, il y avait un truc bizarre, j'ai cru qu'il y, a eu un, il y allait avoir un bug de caméra. Comme l'autre fois quand Steve est venu chez moi et... Oh, dabeu. Et pas quatre, je vais tabasser un coup de manivelle. Ouais, bah j'étais content, franchement, quand j'ai vu que cette vidéo, je dis, oh putain là. Et après, ça fait... Et après, je te dis, ça fait bip. On fait encore une blague humour noir sur les nazis et les juifs ou c'est bon? Non, c'est bon. Non, je veux dire, venez, venez ici, petit juif. Par contre, les chiens sont vraiment bêtes. Ah des fois, tu peux tu l'as entendu? Ouais. Heureusement que ta voix couvrait plus la mienne. Les chiens sont imbéciles. Tu fais pas de comparaison avec ma blague, là. Ah. Et tu t'as trois cartouches. Tes limites, ils sont plus résistants que le Hunter. Après, faut tirer quand même de près, un peu. Hein. Bah, il était proche, là. Hey. Quand je dis proche, c'est plus efficace que. Par contre, Steve. Ouais. Donc là, il y a la radio qui signe. Hein. Mm-hmm. Heureusement qu'ils ont réduit la puissance des chiens. Hein. Enfin, la résistance. Mais là, c'est limite, ils sont plus résistants que les Hunters, tu croises plus tard. Hein ouais. Non, mais je te dis. Heureusement qu'ils ont. Parce que après, une cartouche de pompe ou deux maximum, ça suffit dans les prochains opus. Mais là, mais t'es d'accord, c'est abusé. Ouais, mais après, ils attendent. Alors, quand ils sont trois chiens, il te faut 12. Ou 9 au mieux. Après, ils ont bien réglé la distance des dégâts au fil d'impôt, quoi. Si tu tires vraiment, vraiment à côté d'eux, ça leur fait très mal. Alors que là où tu tirais, mais ça bon. Fait moyen, quoi. Hey, il est quand même à côté. Bonjour. C'est comme si tu tirais... Oh, bah j'achète, j'en ai tué deux. Ah, il y a un canapé à côté. Comment on fait pour décrocher, en fait, la radio, là? Je sais pas. Je, justement... C'est pas censé faire automatique? Non. Parce que dans Rebirth, c'est le cas.
Et dans Deadly Sense aussi. Justement, moi aussi, c'est un film, je savais pas que c'était Cthulhu. Par contre, je sais pas pourquoi j'ai des hallucinations. Comme c'est tellement flou la gueule, t'as l'impression qu'elle ouvre la bouche, mais vraiment en grand. Oh, de la bleue bleue. Qui dit de la bleue bleue? Attends, par hasard, il y aurait. Funk. Funk. Ah, ok. Ok. C'est la touche pour la radio. Ah, bah, moi, je l'ai raté, moi. Mais je savais qu'il y a l'appel de Brad, vu qu'il y a dans Rebirth et Deadly Silence, tu le savais. Ouais. Bah, par contre, c'est pour ça qu'à un moment, j'ai pas pu avancer dans le jeu, parce qu'en fait, j'ai dû. Heureusement que dans les prochaines versions de Resident Evil 1, ils ont fait le truc automatique. Parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont dit, merde, c'est comment la radio? Pourtant, c'est bien visible. Bon, enfin, là, vu que c'est en allemand, vu que c'est en allemand, mais en français, touche radio. Mais bon, ça devient pas l'esprit d'aller au menu pour. Juste sur les cadavres de chiens. Hey, salut Brad! Bon, on n'arrive pas à contacter Brad. En même temps, il nous parle en allemand. On comprend que dalle. De la bleue bleue. Ah, il y a de la bleue bleue dans l'original. Ouais. Il y a la Schrozenfrosse. Ah, pourquoi que. Non, moi je dis que Chris l'a fait ses réserves ici. Hein. Parce que t'as toute la bleue quand même. Le mec il a abîmé. Il y aura plus rien pour Chris hein, dans le prochain scénario. Eh bah juste c'est ça. Quand tu récupères tout avec Chris un peu t'as plus rien. Ça fait comme la mitraillette dans Resident Evil 2. Ah bon? Si lui que tu récupères ah, ouais. Avec l'un et qu'ils te disent est-ce que vous voulez laisser les deux trucs à l'autre, prendre les deux? Ou ouais je crois que t'avais une sacoche. Ou en prendre un seul et l'autre. La sacoche et le l'Uzi. Voilà. Non, moi, je crois que donc c'est ça, soit tu prends les deux, soit tu en prends un seul, soit tu prends rien. Alors moi j'avais pris les deux comme ça l'autre avait rien. Alors j'ai juste pris la sacoche parce que j'en avais besoin. L'Uzi, j'avais dit fuck. Fuck off. Le mélange ultime. Le mélange ultime. T'as l'impression qu'elle a chié dans le papier carrément. Imagine. Qui c'est? Non je préfère pas savoir. Vous voulez une énigme de l'homme mystère? Un petit peu de sa part-ci et un petit peu de l'autre par-là. Tant qu'il peut que tu ne pourras pas prendre. M'en fous! Elle sera pour Chris. Ou pour les zombies. Pour les chiens. Imagine Chris quand il y a. Oh! Comment? Le mélange triple ultime. Déjà que ta vie elle est déjà à fond, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Mettre une armure. Ouais. Ça serait pas mal. Ouais, ça serait pas mal, tu vois. Invincibilité pendant une heure de jeu. Le mec est vraiment rené, quoi. Il va utiliser que le couteau. Tu sais. Ah, le couteau. Ah, ici j'aime pas. Bon, enfin, j'ai dit qu'il est inutile. Pour les speedruns, il peut être utile. Dans le speedrun de jeuxvideo.com, ils ont utilisé le couteau pour feinter les zombies et éviter de se faire mordre. Ouais, ouais, mais bon, vu que j'ai pas confiance en moi et que je suis une grosse brêle et que je fais pas de speedrun, ça m'est inutile. Ah, ça sert à rien, franchement, quand tu découvres un jeu, vaut mieux le faire. Eh, pour tuer les ennemis là, c'est sûr, il sert à rien. Hein. C'est juste pour se foutre leur gueule, c'est tout. Ah bon? Non, il sert à rien pour les tuer, t'es d'accord? Peut-être pour les finish quand ils sont au sol et encore, ils ont des chances de te bouffer le pied. Enfin, franchement, le couteau il était vraiment très efficace au Confluent Cakes. Ouais, contre les mouches. Non. Il y avait des mouches zombies. Parce que le truc de Confluent Cakes, le couteau se tapait en dessous, le zombie va tomber à terre et ils sont très cons, ils vont pas t'attaquer le pied, ils vont directement se relever. Attends, tu t'attends de les tuer au couteau. Quoi. Steve? Ouais. Ce que je trouve dommage, c'est que dans les prochains Resident Evil, il y a de moins en moins de zombies rampants. Par contre, qu'est-ce que je voulais dire? Ce serait cool des mouches zombies ou des moustiques zombies. Là, par contre, il y aura un piège ici. Enfin, un piège. Boum! Explosion! C'est Nikolai. Non, ça. Tu sais, il est pas encore apparu dans ce Resident Evil, mais. Hein? Ouais. Nikolai. Salut! Là, il pourra encore nous sauter à la gueule. Ouais, ça, tout de suite. Ah, cet endroit-là, j'ai passé du temps. Salut! Il y en
23, je crois. Oh putain de... par contre là, j'avais pas confiance. Merci langue de vue de merde. Ça c'est chiant. J'ai pas bougé de ma place et ils ont changé langue de vue. Ça c'est casse-couille. Ouais parce qu'en fait tu recules, tu refuses à ton. Par contre leurs yeux ils font quoi? Steve, ouais. Toi ouais. Non. Ça va. Et il y a quand même le 3ème. Hein. Non, ils sont déjà venus. Hein. Revenus. Ou alors c'est vraiment plus. Bon, c'est une Das Wiesen. Das ist Wiesen. Oh, yeah. Oh, yeah, yeah. La porte est bloquée. Qu'est-ce que je fais? Ben, je l'escalade. Tu t'éteins la console. Il y a marqué voulez-vous éteindre la console? Et un chien. Oh non, il n'y a pas les sapins comme dans Rebirth. Arrêtez avec les chiens, vous êtes chiatophile. Par contre, je crois que t'as pas rechargé, alors fais gaffe là. Là t'as plus de... Vous êtes chiatophile. Chiatophile. Viens voir mon sgeg. Ok, t'as tiré la balle après et après il s'est fait toucher lui. C'est logique. Son pote veut pas venir. Mets-toi devant. Il va me faire une feinte. Pareil combien? J'avance et il saute dessus. Il est plus là. Il est parti. Mais qu'est-ce qu'il fout? Chris, t'es déjà passé devant? Oui. Bon, c'est sûr, il était pas encore musclé aux stéroïdes à l'époque. Ce qui est con, c'est que t'as... Tops! Tops! Par contre, ce qui est proche... Gabeux! Je crois que ce qui est chiant, je crois pas que tu peux... Si. Non. Ce choix, t'avais pas le truc quand t'avais l'inventaire plein, quand il te demandait si tu voulais utiliser l'herbe verte direct. C'est vrai, j'ai deux herbes rouges, deux mélanges herbes vertes et rouges dans mon truc, donc ils vont prendre les deux herbes bleues. Alors, soigne-toi avec les verres. Dommage que contrairement à Resident Evil 0, on peut pas direct mélanger. Ah, c'est ça qui était plus... Quand t'avais même pas de place, tu pouvais direct mélanger les trucs. Là, t'aurais pu... Ouais, t'aurais pu prendre deux bœufs vertes, après... TA GUEULE! Bon, c'est ce que j'aurais fait, mais après... De quoi? Faire quoi? Bah, je t'aurais dit de prendre les deux herbes vertes, ils auraient fait deux vertes, ils auraient bouffé, t'aurais pris les deux herbes bleues. Comme ça, t'aurais... Pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? Parce que je pense que t'allais le faire, mais... Comme t'avais déjà un bœuf... Ah... LA BEUF! Ils ont foutu partout de la bœuf bleue. Juste pour te faire chier parce que t'as pas pris la verte. Bon, ça c'est classe au moins vu qu'il y a les araignées de partout là. Ah, ah oui. Mais attends, je me souviens, il y a un ennemi très petit. Et on verra monsieur X. Qui est noir. Avec comme des... Steve. Avec des lunettes noires. Nemesis. Hein? Qu'est-ce qu'il fout là? Ah. Ah oui, merde. Attends, je suis sûr que je peux bien me débrouiller. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu as peur? Oh, plus fuck! Il se passe quoi? Non, mais parce que dans Rebirth, il était tout à gauche, je trouve. Mais ah, direct ouvert cette porte. Oui, je sais, hein. Je me base au Rebirth, donc je suis étonné quand il y a des trucs différents. Salut! Oulala, faut gaffe par contre, il est rapide lui. Oh, ça va, Robert! Robert, t'es où? Là! Oh, ouais, oh merde! Il y a Robert Blue Blue! Il est con! C'est un zombie! Mais je crois que j'ai un peu picolé. Je crois que j'ai un peu picolé. Aïe! Aïe! J'arrive, je lui arrache un bras. Aïe! Oui, on peut. Ce que j'ai... Par contre, il est pas mort. Hein. Oh. Quel talent d'acteur! Je crois que c'est la carte, hein, non? Non. C'est que dalle en fait.
Il y a un bouquin que tu ne peux pas prendre. Ouais. Je me disais bien que j'aurais dû aller à la salle de sauvegarde avant. Ça arrête comme ça, mais net quoi. À l'ambiance. Cette ambiance, on la retrouve plus dans les anciens Resident Evil. C'est carrément au loin là. Oh, l'esprit. Cette salle, elle a beaucoup changé. Hein. Ouais. Alors, Rebirth, c'est pas du tout ça. Par contre, je remarque que Steve, ça lui a pas du tout choqué l'erreur que j'ai faite dans ma phrase. Hein? Ah bah en plus il affirme encore. Mélange ultime. Par contre l'esprit... J'ai 4 mélanges ultimes. L'esprit ça fait quelque chose à la fin du jeu. Enfin pour la note. Je sais pas. Parce que pendant le code Veronica X, si j'utilisais des sprays, en fait t'avais pas un A ou un S. Ouais. Mais je m'en branlais du rang. Ouais. Mais le code Veronica X... Je crois que c'est soit tu le t'as en moins de 3,5 t'as le canon noyau ou soit faut avoir une bonne note. Un A ou un S. Soit faut avoir le canon à bite. Ouais. Ce qui était bien dans Rebirth, c'est que tu pouvais mettre autant de munitions que tu voulais au lance-grenade. C'était plus pratique. Ouais. Bah dans le code Veronica X aussi. Sauf que c'est porno. Version porno. Oh, ton vieux machin chose. Viens. Ah oui. Ah non. Okay. Numéro 3 de Rock Robin. Par contre, ah, je commence à avoir le nez rebouché. Pourquoi, je sais pas pourquoi tu vas mourir. Je sais pas pourquoi, j'ai peur. Tu fais à ce point confiance. Déjà avec Chris. Avec la clé à molette, j'ai cru. Avec la clé à molette, j'ai. À la place de frapper le zombie, je me suis frappé moi, mais je suis mort. Holster. Ster. On s'en fout de ton fromage. Chaussée au moine. Amen. Non, chaussée au poil. Dis, t'es ton man. On oublie que t'es en fait la réelle en identité de Tétoman, mais chut, faut pas le dire, le super-héros. Mais t'es con toi, tu chuchotes même pas, tu fais. C'est un super-héros, faut pas le dire, hein, on est d'accord. Vas-y. Ça le fait pas du tout quoi. Pirate. Encore moins. L'armoire. Je peux pas shooter le verre. Imagine t'as une touche pour shooter. Made for an undead. C'est un passage secret. Non, c'est dans l'autre salle. C'est ce qu'il me disait aussi. Une baignoire. Il y a une blouse dans la baignoire et il y a une bobine dans cette blouse. Et là, il y a un zombie qui sort. Non, ça c'était dans Rebirth. Heureusement que l'eau est plus haut dans Rebirth, sinon là, ça l'aurait pas fait. Hein. Ouais, tu vois juste le cadavre. Non, mieux, tu sais, l'eau est très basse, donc tu vois rien, donc tu dis, bah, il y a rien. Bah si, il y a un zombie qui sort d'onde ses ou là. En fait, il y avait un faux fond dans le truc. En fait, tu vois le zombie, il apparaît justement dans la cinématique, mais tu vois pas. Dans... J'ai la contrôle schlousse. Moi je vais chier un petit peu. Je suis sûr quelque chose dans les chiottes. Je suis sûr qu'il y a Chris qui a laissé de la beuh encore. Ah ce Chris alors. Oh punaise. Il est capable de tout Chris. Même planquer de la beuh sous ses chaussettes. Quoi? Ça ferait con quoi. Chris casse. Ah oh, aussi con que Steve qui se fout à poil dans la ménage. Ou Steve qui sera en slip dans un certain Maximum of the Game numéro 4. Mais il verra ça demain. Ok, je crois que c'était ça la surprise. Tu verras. J'aime pas les portes rouges.
Oh, diantre, Sartre avait raison. Les enfers, l'enfer, c'est les autres. Et c'est bien une épicerie, l'enfer. Sois pas méchant avec ça. De la peau géante. Bonjour, je viens prendre les munitions. Je m'en doutais qu'il y avait quelque chose. Parce qu'il y avait un truc. J'allais dire. On la brûle ? Ouais, on la brûle. Ouais. Vote majoritaire. L'assemblée a voté. Elle vient de se foutre de ma gueule, cette araignée. Hé ! Toi là. Salope ! Combat de titan. On t'arrête de te foutre de moi. Tu vas creuser. Salope. Je suis certain d'intention là. Ouais. Ça va. Attention et on en pose. Quoi? C'est la fin de cette soluce. Je t'avais dit. J'espère que ça vous a plu. Je t'avais dit de prendre des. On se retrouvera prochainement pour d'autres soluces. Je vais reprendre Saints Row. Je t'avais dit de prendre de te soigner. C'est Steve, il me porte malheur. Je t'avais dit de te soigner. Il me porte malheur. Pourquoi à chaque fois que je fais un truc en solo avec lui, je crève? Je suis pas le conseil, c'est tout. Si ça soignait à fond, ben. T'aurais pas crevé. C'est ça. C'est parce qu'il y a l'autre qui est sorti de ses zoos. Si. Ouais, j'avoue, Arwen avec elle, t'as un autre là. Ouais, c'est quand même bizarre. Elle m'a trollé. Elle avait. Ouais. Bon, c'était une super vidéo la dernière. Oh là, ça c'était long. De toute façon, je reprendrai un relève si tu veux. Si je compte faire une soluce un jour. Tu fais les prochaines parties. Jusqu'à qu'on arrive à un endroit où on était. T'inquiète pas, je la ferai. Quand je... Bon, dis le mot de la couille. J'aurai quelque chose pour filmer. Dis le mot de la couille. Ok, couille-moi-le.